Costa Gavroy. Donc il faut bien passer la sonde dans le trou, parce qu'il va falloir la repasser de l'autre côté. Donc là, il nous reste celle de dessus à remettre, qu'on va reclipser. Hop. Les deux durites. Ça, j'en remettrai après. On va remettre les deux vis. Alors, la troisième n'était pas nécessaire là, de l'enlever. Parce que c'est uniquement tenu par les deux. Je pensais qu'il y avait un. C'est serré aussi par le corps du filtre, mais en fait non. Donc on remet la deuxième durite, on va remettre les clips en place. Donc là la deuxième durite elle a été remise. Donc là on va mettre les clips. Ça je te gêne pas là. C'est bon, c'est bon. Tac, voilà, okay. Oh, c'est bon. J'ai total. Pas forcément de pompe à gavage sur cette voiture, donc on va devoir faire en sorte d'aspirer manuellement le gasoil pour qu'il puisse arriver jusqu'au moteur. Il y a un sens dans lequel aspirer plus Il y a l'arrivée qui est là, et là c'est la sortie du filtre. D'accord. Normalement. Dans toute logique, ça doit être ça. Donc là, il va falloir mettre l'aspiration ici pour remplir le filtre. Ok. Ça c'est bon. Attendre que le gazole passe dans le tuyau. Ah, il va remonter directement. Ouais, comme ça va remplir le filtre.
beaucoup de gazole arrive, c'est bon. Donc après, ce qu'il faut sinon, c'est avant de remonter le filtre, de remplir du gazole. Ah, ok. Il faut avoir du gazole déjà de côté. Voilà, là on va passer. Donc là le filtre est rempli. Hop, on enlève, on remet le tuyau rapidos. Hop. Ouais. Hop. Là, après deux trous de démarreur, c'est bon.